Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se trouve sur le nouveau Total War Pharaon. En français, Pharaon. Et en fait, je fais une découverte avec vous. J'ai vu pas mal de vidéos de youtubeurs qui ont eu des accès. Franchement, ça m'avait intéressé parce que les Total War, je suis un très grand fan. Je crois que j'ai toute la collection. Il me manque juste les premiers Shogun et le premier médiéval. Sinon, tu vois, j'y ai joué. Donc là, ça va être la découverte. Il est en early access aujourd'hui. Jusque tout le week-end, je crois, jusqu'au 2, et officiellement, il sort le 11. Donc là, on va découvrir ensemble ce nouveau jeu. Là, ça, c'est Ramsès. Donc, je le découvre avec vous. Hein. Vous voyez, j'ai rien commencé du tout. Donc, on est parti. Alors, on a Ramsès, né du dieu solaire. Aimé d'une ambition à toute épreuve, Ramsès se considère comme l'élu des dieux, destiné à régner en tant que pharaon. Privilège, l'entraînement et l'habilité au combat plutôt que le nombre. Destiné à constamment aller de l'avant, de vitesse, remporter des victoires rapides grâce à ses guerriers d'élite sur le chemin qu'il aura un jour. Trop de dieux. Alors, on a différentes factions déjà de base. On a les Égyptiens avec Ramsès, Séti, Tahoser, Amenès. Ah, ils sont claques parce que. Ok. Ouais. Ok. Après, on a les Cananéens. Donc, les Cananéens, ceux qui se trouvent en Israël, là, en Palestine. Le messager de l'effondrement, Hirsu. Cela, il n'y a personne encore qui les a joués. En fait, dans cette version, il y a quelques. Normalement, je crois qu'il y en a 8 en tout. 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Pour l'instant, il y a 8 commandants jouables. Donc, cela, c'est les Cananéens, Seigneur de guerre et Pierre Sauvage, Hirsu. Donc, cela, ça va être un peu plus compliqué à jouer. Lui, un fourbe. Okay. Et les Hittites. Très grande civilisation aussi. Dernier de sa lignée. Et Kurunta, l'opportuniste. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on va jouer. Là, il me conseille de jouer, je crois, ce truc là, le rectangle, là. C'est pour jouer Ramsès, ça doit être moins facile pour commencer, mais j'ai pas envie de jouer Ramsès. Je vais en jouer un autre. Non, je sais pas trop, qu'est-ce que je peux jouer. J'ai bien envie de jouer un égyptien. Alors, j'hésite entre Amenès, Séti ou Tahoser. Donc lui c'est le fils du pharaon. Ok. Elle c'est la mari. Quoi c'est la mari? C'est la femme de Seti. Qui vont peut-être. Ils ont déjà une alliance dès le début. D'après les vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et les lives que j'ai suivis sur Twitch. Et Amenès. Lui c'est le vice-régent de Kouch. Lui, il est dans la Nubie. Est-ce qu'on peut voir ouais, ok. Egypt deserves a new dynasty. Donc ici, on voit les fils de Sekhanek, protecteurs de l'Égypte au Sinaï. Donc là, en fait, ils ont chacun des bâtiments de faction, des unités de faction, des ordres et des cours différents. Des avant-postes aussi. Mais nouveau, c'est comme dans le. Je sais pas si vous avez déjà joué à Napoléon Total War, il y avait des avant-postes aussi. Ceux-là, on pouvait les mettre pour leur ravitaillement, etc. Et là, ça marche un peu pareil. Ils ont repris ça de Napoléon Total War. Alors, maintenant qu'on a lui, mais bon, lui j'ai dit que j'allais pas le prendre. Après, un point là, ce qu'ils ont rajouté de plus dans ce jeu, c'est la météo. Il peut y avoir des tempêtes de sable, etc. Et ça a vraiment joué sur le moral de vos troupes, sur les capacités des archers, etc. Donc on a Ramsès qui se trouve ici. On a Séti qui se trouve plus dans le sud vers le Nil et la mer Rouge. Donc nos ennemis c'est Mounakat. Ok, et là je crois que c'est son père, donc là c'est le Merampat, ouais. Donc son père qui doit être avec une alliance, et là c'est sa femme, donc c'est Tahoser. Elle est vraiment dans le sud, et là il est complètement là, quasiment à la frontière avec l'Éthiopie. Il a un plus grand territoire, lui. Il a trois provinces plus une demi-province. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer petit. Est-ce qu'on peut voir les autres? Ouais, on peut voir les autres, I cool. whisper in the ears of royalty. On a B, donc ceux du pays du Canaan, et on a point de départ Who dares to challenge de me? Hirsu. Donc ici, lui, il a un petit royaume là. Donc là, il peut être couvert par ici. Et avec ça, ok. Après, on a les Hittites, donc I lui en plein serve milieu de the la people région. of Hatti. Et Kunda. Bon, il n'a Is pas that d'ennemis pour God commencer thee? alors. I will unite this land. D'accord, il n'a pas d'ennemis pour commencer.
I will regain my birthright. Alors qu'on voit que les autres sont nos ennemis. Donc, nous on va prendre les Égyptiens. My greatness will eclipse all. Je voudrais bien c'est qui. Royal the mind is I am the rising. On prendra Ramsès, mais bon, on est tout le monde qui prendra Ramsès. Bah, tant pis, on va prendre Ramsès. Donc là, on va mettre en. Alors, c'est quoi le capitaine de la campagne? On va mettre en vétéran, c'est très difficile. Et vétéran, c'est max, ok. Après, dans ce Early Access, il y a 60 tours, je crois. Donc, on va pouvoir tester pas mal de choses si c'est le jeu. Ça peut être pas mal. Ici, on voit les unités autochtones, donc les unités qu'on peut recruter dans le Sinaï, dans tout le Sinaï ici. Donc, les milices à Pyrrhus, les archers à Pyrrhus, envahisseurs à Pyrrhus. En fait, on va devoir se battre contre les autres factions égyptiennes pour devenir le nouveau pharaon. Mais aussi, on va avoir plein d'invasions des peuples de la mer. Donc, on ne sait pas exactement d'où ils avaient. D'ailleurs, toujours fait, c'est un fait historique. On ne sait toujours pas d'où est-ce qu'ils sont venus. Et en fait, ils ont mis à genoux deux des plus grandes civilisations qui existaient à l'époque. Donc, la civilisation Hittite, qui était un immense empire. Et qui a complètement disparu à cause des invasions et d'autres sécheresses, etc. Et puis, les Égyptiens, pareil, qui étaient un très grand empire. Et qu'à cause des invasions, etc., ça a été détruit. Leur civilisation, quoi, a été détruite, a été disparue, quoi, ils en ont fait une autre. Après, je crois que les peuples de la mer sont installés en Égypte. Une grande partie sont venus s'installer au Liban, etc., et à partir de là, ils ont fait des civilisations phéniciennes. Ok, donc bah, tant pis, on va prendre Ramsès, donc on va prendre en vétéran. Ok, on est parti. On n'a pas vu les bonus de fonction, est-ce qu'on peut les voir? Oui. La source principale de bonheur, bâtiment de faction, qu'est-ce qu'on a? Le cimetière augmente le bonheur, ok. Et l'influence, il facilite la gestion des provinces. Les vignobles augmentent la production de bonheur, de main-d'œuvre et de ressources. Il facilite la gestion des provinces et garantit sa richesse. Le bureau militaire augmente la région de départ des unités et des généraux pour l'OGTF. Ok. Alors, les unités de faction. Et de la même manière que ça s'appelle une unité en compagnie, on s'en fout. Alors, on a Ramsès. On a les puissants archers pour protéger votre enfant de mer. Le légendaire Medjay se trouve à votre service. Des guerriers d'élite capables de manier différentes armes, ils forment votre ligne de bataille principale. Pendant les chardans, descendants des peuples de la mer, frappant de leur de peur les rangs, utilisés pour flanquer et perturber les unités ennemies. Ah, ok, je pensais que c'était des archers, ok. On peut attaquer en mode marche sans battre leur endurance. Ah bon, ok. Faction forme des Medjev pour renforcer leurs armées, tuer les bâtiments de recrutement pour monter dans le top. Donc les Medjev, c'est cela. Voilà, ouais, c'est le truc de cours qu'on verra plus tard. Les avant-postes, comme je vous ai dit. Ça, après, ils peuvent choisir son. Son. Comment ça s'appelle sa divinité qu'on respecte. Enfin, qu'on. Ouais, qu'on fasse des rituels, etc., des favors. Qui vont donner des bonus, la météo, comme je vous ai dit, ça impacte, et les équipements. Équipe de garde du corps en fonction de l'arme qu'on donne au gars. Bon, là, il a un arc, et après, je peux lui donner une hache ou un bouclier, et il viendra hache bouclier avec toute sa troupe qui viendra avec des haches et des boucliers. La fonction des titres. Légitimité pour devenir pharaon, etc. Ok, on est parti. Marché du vin, ça c'est le. Et ça c'est les unités de faction. C'est parti! Petite vidéo pour commencer. Je suis Meromta. Non, je suis le grand pharaon Meromta. Il y a 10 ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père.
le taureau puissant, le protecteur de l'Égypte, l'élu de Ra, le bien-aimé d'Amon, l'illustre pharaon Ramsès II. Sous mon règne, l'Égypte a prospéré. Mais je sens désormais le regard pesant de Seth, annonciateur de temps sombre. Au nom de Ra, qu'adviendra-t-il de mon royaume lorsque mon âme reposera aux terres éternelles de l'au-delà? Ok, on est parti. Lorsque Ramsès II, mon père, a reconquis la péninsule du Sinaï, il a reconnu deux faits. D'abord, que notre empire dépend de la pierre et du bronze du Sinaï. Ensuite, il ne faut plus jamais la laisser s'échapper. Ramsès, fils de Setnakht, pourtant si jeune, possède un savoir martial supérieur aux hommes qui ont le double de son âge. Il garde la péninsule du Sinaï en mon nom, opposant ses fidèles Medjay à toute menace envers notre peuple. Justement, une menace descend du nord, là où les rebelles cananéens tentent sans relâche de me renverser. Par chance, Ramsès est parvenu à les écraser à chacune de leurs tentatives. Il enchaîne les victoires avec aisance, ce qui nourrit sa fierté. Son arrogance est d'ailleurs amplement méritée. Il tutoie le triomphe et la gloire chaque fois qu'il colore son képesh du sang des ennemis de l'Égypte. Pourtant, je m'inquiète pour son ascension vers sa royauté légitime. Lorsqu'il s'élancera, les dieux l'aideront-ils à réaliser son destin? Il prétend détenir la faveur divine et j'ai été moi-même témoin de cette aura qui l'entoure. Les dieux auraient donc choisi le jeune Ramsès pour honorer son nom et régner sur l'Égypte tout entière. L'enfant, lui, en tout cas, y croit. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? L'état. Divinité vénérée pour les faveurs. Relations diplomatiques, on n'en a rien. Marché, on s'en fout pour l'instant. Alors, première chose, on va gérer notre truc, parce que le plus dur, d'après ce que j'ai compris dans le jeu, dans toutes les vidéos, c'est d'avoir de la bouffe. Alors, si on, qu'est-ce qu'on a comme truc? On a ça qui fait du bronze, Nekel, et Nekgenes, qui fait, quant à lui, comment ça s'appelle, de la bouffe. Donc, il va falloir peut-être prioriser la bouffe.
Colère plus 2, influence plus 2, de la bouffe 170. Figuré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du bronze, de la nourriture. De l'or. Je vais faire plus de. Glory and fortune abound. Ok. Bureau militaire, salle de recrutement. Cimetière des roturiers, ça c'est ce qu'ils ont mis. Les auberges. Production de 5% de plus pour toutes les ressources. Ouais, je peux faire après, c'est quand je vais développer. Je vais plutôt faire ça plutôt. C'est vraiment de la bouffe qu'il va me falloir pour pouvoir recruter les hommes, pour faire des augmentations, faire des constructions, etc. Donc, ok, on va faire ça ici. Je peux rien faire, il manque quoi? Ah, il nous manque de la main d'œuvre. Ici, c'est, les nouveaux jeux, ça marche aussi avec beaucoup de main d'œuvre. Il va nous falloir pas mal de main d'œuvre. Et les avant-postes, comme je vous disais tout à l'heure, un peu comme dans la Napoléon de Talwa. On peut construire pas mal de choses. Alors, les comptoirs commerciaux, celui-ci, vu que ça va être ma capitale, ma base arrière, vu qu'il n'y a pas trop d'ennemis autour. Faire des comptoirs commerciaux, je pense que c'est la bonne chose à faire. On peut faire un droit de passage pour monter l'affluence. Hôtel de rat aussi. Alors on va faire ça. Poste de passage égyptien. Production basse plus 10% de cette région. Okay, on va faire ça. Notre dernier avant-poste est terminé. Et notre commerce en profitera largement. Ok, ensuite. Les colonies ne sont pas les seuls points d'influence. Ça c'est les nouveaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hôtel d'or, on peut le faire. J'en ai pas, je crois pas que j'en ai. Hein. Si tu as hôtel d'or ici, 50. I'll find a way to prove myself. Pas le poste de passage. Les avant-postes offrent un repos bien mérité aux armées en déplacement. Les positionner de façon stratégique est essentiel lorsque vous planifiez et étendez votre empire. Et donc ici, je peux vous faire un avant-poste, je peux faire aussi une production de plus pour augmenter ma production de bronze. Et puis ça fait un entretien pour mon armée, ça peut pas mal ça. Destiny calls me. Si je prends, parce que ça donne des bonus passifs, mais ça donne aussi des bonus actifs si notre armée, il y a un déplacement dans l'armée en mer plus 30, déplacement sur terre plus 30. Si j'utilise ceci, c'est à 4 tours, ce que je vais faire. I am in control. Du coup, attaquer, première bataille. Deux unités d'archers, deux milices à Pyrrhus. Je vais pouvoir tanker avec cela. Utiliser mes unités de lance-projectiles pour les contourner et les attaquer dans le dos. Ça peut être pas mal. Il faudrait que je défonce cela rapidement. Ce serait gagné ensuite. Ok, on est parti. Alors vous voyez ici c'est les conditions météo, donc au début on va avoir ça un temps sec, donc aucun effet négatif, etc. Mais ensuite on risque d'avoir une tempête de sable, avec des portées négatives, des vitesses négatives, des vitesses de charge négatives, une vitesse de recharge plus 10, donc un malus encore. Visibilité réduite, inflige de légers dégâts continus à toutes les unités, cumul de fatigue supplémentaire des actions. Alors je pense qu'on va les faire, comme ça je vous montre comment ça se passe dans les conditions climatiques si on n'a pas gagné avant. Seul un entraînement rigoureux mène à la gloire au combat. En base de combat, il n'y a pas de problème, mon gars. Destined for victory. Je crois pas que je vais les garder quand même, les Ramsès tant qu'archer. Moi, je voudrais une équipe de bataille. Un vrai bataillon, quoi. Covenant ready! Prodigy of war! Let us hold the sand, buddy, is our fall! Les généraux marchent au combat, épaulés. Ceux qui vont venir me chercher. Du corps, qui elles aussi gagnent de l'expérience. Elles deviennent ainsi une force pouvant renverser le cours de la bataille. March on!
Par contre, ils sont pas. C'est pas loin. Ah ouais, le... comparé à certains jeux. On va essayer de les diversifier. Du coup, ça sert à rien que je le mette devant. Alors, des fois, ils ont des caractéristiques. Tenir la position. Merde, c'est pas le bon. Ordonnez à vos troupes de se mettre à couvert pour éviter les projectiles ennemis. Puis, débusquez et détruisez l'origine de cette menace. Their marksmen could hit us here. Ramesses! I fear nothing. Glorious combat! Lots! Ok, on tourne. Arrows ready! Throw your javelin! Egyptian javelin is! Out of the way! Lots! We aim through. Ready to launch. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Warrior of faith. Javelin ready. Ok, une unité en moins. I never miss. Voyez l'ennemi se briser comme un. Javelins, they never stood a chance. Hero of destiny. Launch javelins! Come! Marksman! Eager for battle! Merde, je pensais qu'il partait. Qu'il fuyait. Lops! Archers! Black in the sky! For glory! I am fated to triumph! C'est le général, ça. Oui, ils tiennent ou pas? C'est méga en fait qu'ils tiennent Tari. Victoire! Oh, mais on va essayer de tuer le plus possible. Par contre, je vais sortir vite fait mes troupes là avant qu'ils se prennent des flèches perdues. C'est un peu fou que... Soldiers, move! For glory eternal! Je suis prêt de flèche perdue, quand même. Par contre, ceux-là, je pensais qu'ils étaient tirés quand même plus loin. Il y a un système aussi d'armure qui diminue en fonction de la bataille, si vous voyez là. L'armure est jaune. 43% d'armure. C'est vrai qu'ils ont un peu douillé, eux. Mais bon, ça va, ils ont tenu quand même. Victoire décisive. Première bataille facile. Alors je peux renforcer mes unités, morale plus 8, trésorerie, on a chopé un peu de nourriture, de bronze, expérience. Je vais prendre un peu plus de morale. Bon, 2 ou 3 tours. Ça me permet d'aller attaquer toute la ville là. Et combien de troupes intérieures? 5 troupes. Greatness awaits. Alors est-ce que j'attends ou j'attaque direct? Je pense que je vais peut-être attaquer direct. On peut reconstruire. Ça leur fera une ville en moins. J'ai pas peur du grand monde. Alors je vais devoir la faire.
Du coup, on n'a pas vu la tempête de sable, ça s'est passé tellement vite qu'on n'a même pas vu la tempête de sable. Donc, ils ont de la milice, des envahisseurs à Pyrrhus. Avantage contre bouclier. Ah non, les gars, ils ont que des boucliers en plus. Ok. Il va falloir que je fasse gaffe à eux. Il va falloir que je les fracasse à cause de. Je peux pas faire ça. Il va falloir que je les fracasse avec mes. Et qu'ils ont pas l'air d'avoir d'armure. Très peu armure que 20. Ouais, ils ont très peu d'armure. Donc on peut facilement. Ils n'ont pas de bouclier. Baisseur, maintenir se cache. Non, ils n'ont pas de bouclier. Donc c'est parti. Ça va être plus facile si j'arrive à les détruire. Donc là, il fait vraiment chaud. Ok. Voilà. Vos unités sont prêtes à prendre d'assaut la colonie. Ouais. Restez à l'affût de la position des ennemis. Ces derniers pourraient concentrer leurs forces défensives entre les rues étroites. Alors, par où je préfère rentrer mes trucs? Je préfère pas rentrer par là, par là. Par là. On va rester comme ça. Nothing will stop us. Vos généraux ont tous leurs avantages et compétences propres. Familiarisez-vous. Ah, ils viennent me chercher. Et tenez-vous prêt à les déchaîner contre l'ennemi quand l'occasion se présente. Okay. Petite ligne de front, enfin comme tout à l'heure. On va faire des unités ici pour les déborder. Destined for victory. Let's march! Where were they hiding? We ain't true! C'est ceux-là surtout qui sont bons contre les. Hold their men! Lops! Soldiers, move! Javelin, away! Fire! Marching on! Renew! Behold my greatness! Ready to launch! On the march! Always ready! Marching on! Qu'est-ce qu'ils font là? Launch, javelin! I fear nothing! Out of the way! Votre ennemi attaque votre flanc. Repoussez-les. No warrior can best me. Swordsman. Ah, je suis obligé de les attaquer. Our aim is true. I am invincible. Fight your warriors. For Egypt. For glory eternal. Onward. Launch javelins! Fire would spread fast in this heat! Prends ta rifle. Qu'est-ce que tu fais? For glory! Destiny calls! Archers loose! Grab! This heat will serve us well! Archers! Je mets la fonderie là. On the march. Ok, on est pas mal. Par contre, pourquoi tu fais que courir dans tous les sens là? J'ai une langue vieille, c'est dans l'escarmouche. Always ready.
C'est quand même de sauver notre unité là. Victoire, ok, good. 5 contre tout le monde. Petite bataille de cette ville. They'll sing songs of this. Allez, bronze 38, 417 de bouffe et 500 d'expérience. Pas mal pour le petit Ramsès. Occupé. I have earned this city. Alors, Terre Sainte occupée, ça c'est cool. On a gagné une épée longue. Ça c'est bien. C'est là que je vais pouvoir mettre. Changer mon unité de Ramsès. Si je veux, en unité avec des épées. Et une armure moyenne. Pour le garde du corps. Ok. Je suis déjà niveau 3. Je prends ton destiny calls me. And I am compelled to answer. Moins 5, alors je peux avoir la moyenne qui reste de cure, une chance d'élever le protéger le vent de ça. Ok, on va prendre ça. Test de rachat. Je suis pas un grand fan de. Je préfère l'épée, moi. Ah, c'est pour les unités montées. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai pas de char, donc je peux prendre ça aussi. Anthony, à te porter des dépôts d'avant-garde. Ok. Ça. Ah non. Alors, est-ce que je pourrais prendre un autre truc un peu mieux en augmentant mes points de compétence, prendre l'entretien moins 6. Qu'est-ce que je peux avoir? Déplacement en mer, déplacement sur terre, entretien, reconstitution. Par un bonus de charge de plus 4, plus 2 d'influence cette région. Peut-être remonter ça au max déjà et prendre le petit bonus là. Ouais, pas mal. Parfait, parfait. C'est un petit recrutement. Alors, unité de faction, unité autochtone, archer, milice à Pyrrhus. Théorie de poids léger, avantage contre bouclier remplaçable. Là, je pourrais avoir les médias, bonne défense, excellente vitesse de bataille, c'est 3 fois léger. 25-40, ils sont bons contre les boucliers. Oh! Efficace contre les projectiles, dégâts par temps, excellente vitesse de bataille. Ok. Escarmouche. Je peux recruter jusqu'à 2 slots. Ça me coûte 24 de bronze, mais bon, ça j'ai assez. Je vais prendre. Il me coûte que de la bouffe. Alors, portée 160, 150. Je vais peut-être prendre. Cela. Pour justement défoncer les boucliers ennemis. Ouais, pas mal. Ok. Donc je peux recruter. Alors là, du coup, toi, t'es spécialisé aussi dans la bouffe, donc ça, ça m'intéresse vachement. Ici, fourneau à bronze, je peux augmenter. On va faire une pêcherie, je direct. Enfin, décret royal, ouais. Bonheur plus 3, influence plus 1, tu es partout. Je vais prendre le bonheur. Qu'est-ce qu'il me reste en poste construction disponible? Je pense que je vais faire l'avant-poste religieux. Je mettrai plus de garnison. Peut-être plus de garnison quand même. Et ici. Pareil. Donc, si c'est sur la côte, je mettrai plus de garnison. Peut-être. Production de ressources. Ça m'augmenterait ma pêche. Il
Je pense que je vais faire full défense ici. Ouais. Je vais faire full défense. J'ai fini ma pêcherie et mes unités. Ça fait plus 130 bronze. Pour deux travailleurs. Plutôt augmenter cela. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont? Bah ici en fait, ils ont même pas d'unité. Egypt's finest. Est-ce que je vais les taper direct? Donc 5 unités. The future of Egypt. Mais trop sympa ouf. J'ai quand même prendre d'autres unités. Hein. Prends une troupe d'archers en plus et des épées smidgen en plus. On va faire une bonne ligne. Je pense que ça serait pas mal. On commence par là. En bouffe, je suis pas trop mal. En fait, j'ai pas de pierre, j'ai du bois et j'ai de l'or. Ok. Donc en voyant diplomatie, qu'est-ce qu'on peut faire? Pacte de l'agression, c'est militaire, alliance défensive, alliance militaire, confédération, traité de paix. Good to see you, cousin. Though I'd rather spar than talk. Ah non, je suis son cousin, c'est qui? Donc c'est mon oncle, le pharaon. Ok. Alors déjà qu'il m'aime bien. I fight for Egypt. Speak, friend. And I will pas faire grand chose. All will we can do great things together. Pas loin. I know it. Je suis pas loin. Bon, ça on va rester comme ça. On peut pas faire d'accord commercial, ok. On aime rester un tour, deux tours. Ok. Salut les viewers, comment ça va? N'hésitez pas à parler dans le chat, hein. Je vous répondrai si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ok, j'ai une faction qui a été détruite. Ok. Je pense que je vais les attaquer parce que je vois qu'ils sont en train d'essayer de mobiliser et j'ai pas envie qu'ils aient une autre armée. Donc on va y aller. Witness God! Pas besoin de faire la bataille, je suis bien mieux que. Je perds pas de troupes, non, je vais juste un peu de blessés. Ici. Ça vaut pas le coup, je suis pas là-dedans. Victoire décisive. This is part of a new empire. I grow stronger each day. Portez les projectiles plus 15. Bâtiment et unité, ok. Donc, Ramsès niveau 4. Beyond compare. Ok. Destined for greatness. Alors, toi, Asati, je vais te réparer déjà. Pas le port de pêche. Donc j'ai 3 bonhommes qui sont prêts. Ça me fera 3 bonhommes. Plus 42 voix pour l'instant, j'en ai assez. Je peux te faire toi. Collection de toutes les ressources plus 10. Croissance de la main de plus 3. Ouais, je vais t'augmenter toi, c'est pas mal. Et un avant-poste à Aseti. Je ferais bien ici un avant-poste économique. Ici, un avant-poste militaire. Dans le montant, parce que je sais pas trop où est-ce que je vais aller par là pour la suite de mes conquêtes. Et ici, un avant-poste
religieux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ordre disponible bloqué. Donc, j'ai les jardins royaux, nourriture plus 5, pierre plus 5, or plus 5, pour les mines, les bâtiments aussi, bronze et bois, bonheur moins 10, province ennemie adjacente, influence plus 2, non, on a plus de la bouffe, on reste plus que 166, nourriture, plus de recrutement, entretien, bonheur, entretien moins 10, bonheur moins 2. Bon. Est-ce que je prendrai pas de la bouche? Si j'ai pas de truc pour l'honneur, à plus 5. Je vais prendre ça pour l'instant. Au pire, si j'ai vraiment besoin de bouffe, je prendrai le truc spécial pour la bouffe. Ok, donc ça c'est bon. Mais pas mal. maintenant. Alors, décrire royaume, on a fini pour avoir le bonheur en plus. Pour avoir plus d'or, plus de bouffe dans les bâtiments et les ports. Influence plus 1, XP par tour. Je vais prendre la bouffe. Vraiment que je focus sur la bouffe. C'est ça qui va nous manquer le plus. Je vais continuer à faire monter mon armée. Donc qu'est-ce que j'ai, 4 unités de tireurs, des unités comme ça. C'est que ça me coûte 24, donc il faudrait avoir encore quasiment une unité comme ça. Je crois avoir un peu plus de gars comme ça. On va déjà en faire 2. 2 de plus, ça serait pas mal. Ensuite, où est-ce qu'on part? Déjà, quelles sont nos provinces qui sont sacrées? Ça c'est bon. Ça c'est bon, on a quasiment tout construit. J'ai déjà une troupe avec un général. Qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? Rien. Rien. Ok. Donc ça c'est bon. Alors, on a 50 sur 250, donc j'ai pas fini les choses. Ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait déjà. Il faudrait que je chope le Sinaï, donc cette partie-là. Il faudrait que je descende au sud. Jusqu'à la mer rouge, je récupère tout ça. Donc ça veut dire. Il faudrait que je tape cela. Hathor, Berseba, Abenesh. Mais il faut qu'il y ait une personne. Ah ouais, ok. Ce sera la province la plus facile. Ils ont deux villes. Je pourrais avoir le Sinaï oriental. Donc mes prochaines équipes, ça va être ceux-là. Par contre, il y a 9 unités ici. Si, si, si. Ouais. Il va falloir que je continue à recruter avant de partir à l'attaque. Qu'est-ce qu'ils ont, 5 et 8. 5, 8. Ok. On va commencer à taper le plus fort d'abord. Alors, choisir une ambition. Choisir une ambition. Donc là, c'est les petites missions qu'il y a de temps en temps. Redoubler de puissance, maintenu 25 unités au total. Ok, 2 missions de nourriture, 50 de bronze. Ok, donc ça je peux le faire facile. Construire un bâtiment de ressources pour les vendre de nourriture. Maintenant total de 8 unités du type suivant. Unités de niveau 4, 5 et 6. Et j'aurai des vétérans. 6 unités de vétérans auxiliaires, des soldats de toute l'Égypte sont disponibles pour leur recrutement spécial. Ça peut être intéressant, début de campagne, ça. Ou de la ouf. Superviseur. Stratège. Ok. Ça, je peux le faire en 2-2, ça. Il faut juste un bâtiment. Ça va être super facile à faire, quoi. Alors que ça...
Peut-être faut que je bastonne des gars. On va faire passer 4, 5 et 6. Et après par contre j'ai 6 unités de vétérans. Pour faire une seconde armée. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat? Laquelle je prends? Redoubler de puissance, repousser la fin ou l'élite? Est-ce que vous avez un avis? Ça, je peux pas. Ça, il faudrait que j'ai deux armées, ça me coûterait trop cher. Ah, salut, connecteur, ça va? L'élite, ça va être chaud, ouais. Ouais, l'élite, ça va être chaud, ouais. Faudrait que je déclare la guerre au voisin d'à côté. T'as raison. On joue la sagesse dans ce... T'as raison, t'as raison. Ouais, tu sais quoi, on va prendre la bouffe, ouais, ça va être plus facile. Prends la bouffe, donc on va faire ça de suite. Alors, il me faut un bâtiment de production de bouffe. La croissance de la main d'œuvre, influence, bonheur, équipé partout, camp de rassemblement. Ah putain, il faut qu'il soit niveau 3. Là, je peux avoir du bois. Bon, après, j'ai 10 tours pour le faire, donc on va déjà faire les ressources. On va prendre le bois. Il faudrait que je passe niveau 3 ici. Pour passer d'un niveau, il faut que j'ai 3 bonhommes. Ok, il va me falloir 2 tours. Ok. On fait comme ça. On va continuer en même temps de recruter. On a encore un peu de bouffe. À moins que je fasse le quartier des autochtones. Là, je peux plus rien faire là. Ouais. Bah ouais, bah j'ai déjà capturé là, si tu regardes bien, j'ai déjà Souko. À la base, je suis commencé avec Nekel et avec Nebgen là. Il y avait déjà un peu de bouffe et tout, là j'ai capturé deux territoires qui produisaient la bouffe. Donc après, bon, je compte me tourner vers Beersheba et Hathor pour récupérer de l'or. Encore de la bouffe, plus de l'or. Il va me rester qu'à trouver de la pierre, ici qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bronze, de la bouffe. La pierre serait ici. Donc quand j'aurai chopé les deux, je descends vers le sud. Je les défonce. Egypt's glory. Je prends ça. Hop. I summon the elite. Prochain tour, je me mets en marche. Là, je vais déjà me mettre en marche. Donc je vais finir de bien me soigner. Il y a encore que. Moral plus 12. Toi, t'es pas encore fini. Attends. Chosen of Ra. Je vais prendre ça. Gods, hear my voice. Si je vais recruter. To victory. J'ai toujours pas de my malus. Army will be elite. Ça, je suis prêt à y aller. Qu'est-ce que tu veux que je construise? Au niveau bonheur, il faudrait que je prenne aussi. Nickel, on m'a dit que c'était une nickel. Ok. Donc on va prendre le bonheur ici. Ok, durant cette saison de brise, j'ai obtenu comme station pilier de la civilisation, divinité locale, ordre. Tradition royale, cours, héritage pour les prochains. Ok. Avant-poste, on a tout fini. Construction terminée. Donc moi, il faut que je passe à niveau 3 pour pouvoir enfin construire mon marché de contrebande. Je pense que c'est tombé le bonheur. Ah, mais ça produit même pas de la bouffe. D'accord. C'est un truc qui se fait. Ok. Non, c'est pas grave, on va faire comme passer niveau 3.
Et nous, on est parti. On va leur déclarer la guerre, eux, là. Ils ont 9 unités, j'en ai 16. The future of Egypt. En force 22, ouais, ils ont plus de troupes que moi alors. Glorious battle. Il y a d'avoir des gains. Tant mieux. Strike hard. Ça va être plus compliqué. Si je fais ça. Je dois faire l'encerclement, on va voir s'ils vont sortir. They must surrender. Ah là, on peut qu'on soit autre chose ou pas. Non. La tiette. Ok. On est parti. Oh oh, 16. Ah oui. Not here. Regroup. Mais je peux pas le tabasser. Par contre, si je passe dans le désert, je suis pas dans la merde. Oh, 16 et 7. Ils ont déjà deux armées. Oh la vache. J'ai peut-être pas dû les attaquer. Testy for great. Si je peux les avoir. March on, men. Ici, dans une embuscade. Blend into shadow. On va sûrement passer comme ça. Là, ça serait pas mal. Donc, maintenant, on va commencer un peu à faire des unités. Donc là, j'ai plus de garnison à l'île des champions. Là, je peux recruter plus de troupes. Ça, c'est bon. En fait, ils étaient vachement pas loin. Il y en a un qui venait d'Ator. Qui sont venus. Bah, comme ça réagit. Une faction détruite à Pyrrhu. Donc, pour l'instant, il m'attaque toujours pas. I am unstoppable. Ramesses, the ball. On va continuer notre recrutement. Là, j'ai plus assez de fer. Pas de bronze. Let the ranks swell. Qu'est-ce que je peux construire d'autre? On peut faire plus de croissance, mais elle dure pas mal, hein. Plus 66. Ça c'est fait. Non, on va attendre. Parfait. Voilà. Et ils m'ont chopé. Je pensais que j'étais en mode machin. Donc ça, je peux aller les taper maintenant. Ils sont partis. Ok. Ramesses, grant me your divine blessing. On va récupérer le bonus en plus. Ils ont quasiment rien perdu et ils ont pas des troupes super bonnes. On peut aller les taper derrière. Fate favors me. Je vais récupérer un. Je vais prendre le bonus. Blessed by the gods. Là, plus on a 8 d'entretien, on va prendre plus de reconstitution pour les troupes. Egypt's finest. On a de meilleures troupes, ils ont plus d'archers. Il va falloir aller chercher ceux-là. 3, 4, 5, 5 unités d'archers, on peut aller les chercher. Avec nos troupes, les contourner. Voilà, on va faire ça. Allez, on est parti. Petit baston. Ouais, la météo est pourrie. We'll bring Kane to here. Eh oui, parce qu'on sera en avant-garde.
peut m'arranger en fait. Ça peut m'arranger. Est-ce qu'ils sont cachés là? Ils viennent me chercher ou vous allez les chercher? C'est à moi d'aller les chercher. Okay. I am invincible. On va y aller tranquille. Ici, vu qu'on est caché, on va rester caché. Ils ont tout mis en pack. Ouais, il se déploie enfin. Put Kanan to the sword. Reste au plus rapide. I will end you, savages. Always ready. Blood. Never back down. Sons of Egypt. Ok. Je les prends ici ou je les prends là. Je les prends par là. Soldiers, move. I never miss. Stay close! Sons of Egypt! Death to the Canaanites! Marching on! Restez cachés, vous êtes mon armée surprise. We aim through! Save your energy! It's an ambush! This way, brother. Ready to launch. On va prendre sur le pâté, hein. Onward. Put these savages down. Tranquillement. Là, j'aurais peut-être dû en fait les mettre de ce côté-là. Prodigy of war. With me. Swordsman. Black in the sky. Warrior of faith! Put Kanan to the sword! Archer! Into position! Hero of destiny! Marching on! Kill them all! You know the fate! Allez, toi là. Ici. On the march. Egyptian javelinier. Swordman. Ils font les archers là. Swordman. To bloodshed. You will know the fate. For glory eternal. Fight me. Javelin. Soldiers, move! Swordsmen! Okay. Eager for battle! Oh, ils ont réussi à passer, eux! We aim through! Sons of Egypt! Axe warrior! Our aim is through! Hack them down! Send them arrows! War is my calling! Arrows ready! Fight for Pharaoh! Swordsman! Egyptian javelinier!
nothing. On en est où? Fall back. We are unstoppable. Make them pay. Fight for Ferro. Devastate them. On est où? On est où? Dismounting. Sons of Egypt. Swordsmen. I never miss. Axe warrior. I love seeing them bleed. Tribe soldiers. This way, brothers. Ok. Pour continuer, je vais les pourchasser. They will bleed. Spill blood. Shoot them down. Javelins away. Behold my greatness. Attends. Putain, je me fais défoncer ou. Enfin, je reviens vite faire. Swordsmen, fight for your brothers. Onward! I can see your pain, coward. Withdraw now. Putain, en plus, il est parti en plus. On the march. Ok, pas. Sons of Egypt. Du coup, ready to launch. Soldiers move. Swing at them. Swordsmen. No. Putain, je sais pas. C'est ça d'avoir une mythique d'archer aussi comme un bonhomme là. C'est de la merde. Swing at them. Wipe them out. Warriors of Canaan. You will suffer. Axe warrior. Je crois qu'on a tué leur général aussi. Die. To bloodshed. Our aim is true. Si on avait buté leur général, peut-être que ça passe. Mais continue les charger, continue. Warriors of Canaan. Axe warriors. I need to rest. Launch javelins. Aim from afar. Notre sœur unité est un char. Ok. Javelins ready. At once! You die! Allez. Never back down. They are pissing. On est pas mal. C'est grâce au plus 12 de morale. On va peut-être pouvoir gagner, mais ça va être chaud patate. Hein. Ramsès c'est mort, ouais. Brothers, c'est l'unité d'archer. Il se fait contourner par la droite là. Et mon démon, mais peut-être que je vais gagner. Pas sûr encore, mais. Voilà. Ah non, j'ai perdu ici. Bon, c'est plus rien là, si, moi c'est pas vu. C'est en train de gagner. Bon, c'est encore tout cela, les 59 là. 67 ici. Ouais, mais les haches, ils ont défoncé mes boucliers. Warriors of Canaan! C'est mort, c'est mort! Ah! Défaite honorable. Dommage, j'étais pas loin. J'aurais fait mal quand même. Ramsès, peut-être qu'il a réussi à s'en sortir. Peut-être. I won't lose again. Il est pas mort.
Destiny calls me, and I am compelled to answer. On va devoir se remettre sur la ville. Hard march ahead. Heading out. I will gather the greatest of my calls. Je peux enquêter cela. Boundless ambition. Je vais enquêter cela, tant pis, ça me coûte un peu plus cher, mais... Ça me fait quand même toujours deux unités pour résister aux... s'ils doivent attaquer. Je peux faire que ça. Ouais. Et ils continuent leur progression quand même. Ok. Plus que 6. The future of Egypt. Go and bother someone else. Sont plus que 6. Ever ready. Est-ce que je vais les taper? Sont plus que 6. Le général plus que 4 unités. Quand c'est ceux-là, ils font mal. Hein. Egypt's glory. Ils font mal, mais j'ai peut-être quand même pas mal d'unités. Comment j'arrive à décimer au moins une de leurs armées? Je peux te réparer, je sais pas le problème. The gods must be in fine spirits. Qu'est-ce que tu me manques? J'ai la main d'eux, mais il manque quoi? Ah, il manque de la caillasse. Ouais, il y a une baisse de morale, voilà. J'étais pas loin. Là, j'essaie de défoncer le général. Ils sont plus 4. Avec Ramsès. À chaque fois, je suis en contrebas, j'ai toujours à chaque fois la mauvaise place. C'est quoi ce bordel? Slow down. I'll bathe in Canaanite blood. Ok. Soldiers move. Faut le général, faut aller le chercher. Ils sont fous là. Général, il va. On peut jouer avec Ramsès, normalement Ramsès il tire plus loin que leurs archers à eux. Marching on! Sons of Egypt! On the march! Marching on! Yes! Watch them bleed! With me! Infantry moving! Axe warrior! Tant pis, on va faire un... Clap! Soldiers move! Moi, je vais t'occuper de toi, là. Show strength! To battle! Death will end your pain! On va focus le général. Aim for the heart! Kill them all! I am fated to triumph! On our way! Glorious combat! Onwards! Axe warrior! On the march! Out of the way! Marching on! Always strong! Putain, j'aurais dû passer à côté, ce con-là, il passe à perpète. Quoi, il passe dans le mid. Je l'aurais dit, non? Axe warriors! Shoot them down! Throw your javelins! You'll know defeat! Bah, ça a l'air déjà d'aller mieux.
Là, ça va mieux. Allez, massacrez-les-moi là, histoire de commencer à se barrer. On va buter le général ? Non, je crois pas. Ouais, c'est bon, ouais. On the march! Egyptian javelineers! Faut qu'il reste dégueu par contre, hein. Putain, est-ce qu'ils font ça, quoi? Tu vois le général, là? Voilà. Normalement, on doit être bon. Voilà, petite victoire tranquille. Bon, tout à l'heure, ça fait défense, mais là, là nous, par contre, nos troupes. Pour la seule contre-attaque, ça peut être ça. Ouais, ouais, t'as raison, vas-y, venge-toi de ce qui t'a. Qu'on a perdu tout à l'heure. Plus 8 de morale, plus 3 de renforcement. Ça rapporte que dalle. Ah, j'ai perdu l'unité de Mélisse à Piru. Spread word of my might. Ben, je vais les finir. The gods have blessed me. Destiny calls me, and I am compelled to answer. Je vais recruter deux nouvelles unités de la Pyrrhus. I wish it hadn't come to this. Destiny bound. This is your chance for glory. C'est vrai que j'ai construit le. Ok. Bon, il faut déjà que je refasse une ligne quand même. Le truc, c'est que vu qu'ils ont des unités anti-bouclier. Donc, eux, ils font 37 de morale. Ils ont pas beaucoup d'armure. Ici on teste du bassin. Les unités autochtones sont moins 43, 600 mêlés, 32 défenseurs mêlés, dégâts 40. Ici j'ai dégâts 31. Ouais, je vais quand même tout prendre cela. On va faire une ligne. Quatre bonhommes. Et quand même prendre des mecs qui vont pouvoir contourner et défoncer sur l'arrière les boucliers quoi. Ça, ça peut être pas mal. Une test de bataille, excellente test de bataille, remplaçable. Là, c'est déjà un peu plus fort. Plus d'armure. Oui, ils font 54 en dégâts quand même. Il n'y a pas grand différence quoi. Sauf que eux, ils sont mieux. Ils ont l'avantage contre les boucliers. Ouais, là ils vont me servir de contourner. J'aurai ma ligne pour défoncer les boucliers un peu et tanker. En attendant, ceux-là ils contourneront. Ça peut être pas mal ça. 3 unités pour l'instant ça va suffire. Peut-être une meilleure ligne de d'archer aussi. Ok, on verra. Ok. Alors ensuite, donc la pierre, j'en ai toujours pas, de l'or, j'en ai pas. Prendre les XP par tour. Et ici, du coup, je vais prendre la reconstitution. Ça va me servir. Parti.